Bonjour à tous, donc voici une nouvelle vidéo qui va sortir un peu de ce que j'ai déjà présenté sur ma chaîne. Donc là je vais vous présenter du matériel, donc un routeur Xiaomi, le Mi Router 3G. Pourquoi le Mi Router 3G? Parce que il a la possibilité de mettre OpenWRT dessus et en plus il a port USB, deux ports gigabit et un autre port gigabit pour le WAN. Donc on va en reparler après. Pourquoi je mets un routeur en plus du routeur opérateur? Car je ne supprime pas le routeur opérateur. C'est bien lui qui reçoit les signaux Internet. Moi, je rajoute juste celui-là en plus. Parce qu'avec la domotique, ça nécessite d'avoir des IP fixes pour que ce soit beaucoup plus facile. Et donc, j'ai pas envie de reconfigurer à chaque fois que je change d'opérateur tout mon réseau. Je change d'opérateur à peu près tous les ans au gré des offres, donc forcément. Et en plus, ça me permet en cas de souci de pouvoir, via un modem 4G ou une partage de connexion modem, de pouvoir avoir une connexion Wi-Fi de secours. Et là, je suis en train de regarder pour faire de l'agrégation de connexion. Agrégation de connexion, c'est quoi? Ça veut dire mettre un forfait 4G plus mon ADSL et en gros, il cumule les deux. Donc ça vous permettra, surtout dans des zones un peu repoussé dans les campagnes, tout ça, d'avoir peut-être une meilleure connexion. Donc pourquoi celui-là, le Xiaomi là, pourquoi le 3G, je vous ai expliqué pourquoi, et aussi parce qu'il a quand même des caractéristiques qui sont très intéressantes. Donc je vous ai dit, les trois ports Ethernet, ils sont en gigabit, il y a une prise USB 3, il a 256 mégaoctets de RAM. Il a une mémoire flash en NAND de 128 MO, 128 mégabits, pardon. Et il a aussi, donc c'est un processeur MediaTek dessus, mais ça tourne quand même plutôt pas mal. Au niveau du Wi-Fi, il a tout ce qu'on a besoin. Donc du Wi-Fi 2,4 GHz, du protocole A jusqu'au protocole N, et aussi du 5 GHz, pareil, du A jusqu'à N en passant par la C. Donc voilà, il réunit toutes les conditions. L'avantage d'un routeur en plus aussi, ça va améliorer les box opérateurs. C'est des box bas de gamme, entre guillemets, sauf sur certains opérateurs. Ce qui fait que le Wi-Fi n'est pas très bon. Les paramétrages, on ne peut pas tout paramétrer. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple de passer par un autre routeur où on a la main complète dessus. Sur ce routeur, vous pouvez utiliser donc l'OS Xiaomi. Qui est en chinois, l'application Mi Wi-Fi ou Mi Router, je sais plus comment ça s'appelle, elle est en anglais. Mais bon, ça reste du chinois à traduire. Donc, et vous pouvez faire plein de choses, mais pas complètement tout. Là, on va mettre OpenWRT. OpenWRT, c'est quoi? C'est un firmware pour des routeurs qui est complètement open source. L'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir faire plein de choses, on va pouvoir ajouter plein de services en plus. Donc c'est forcément un OS sous Linux. Donc on va pouvoir rajouter un bloqueur de pub, un VPN. On va pouvoir rajouter un service torrent si on veut, ou un service MySQL. Donc voilà, on peut faire énormément de choses. Alors attention, c'est pas un mini NAS, hein, on pourra pas faire autant de choses qu'avec un NAS. Mais voilà, ça vous permet de mettre des petits services qui pourront vous faciliter la vie. Au niveau des paramétrages, on fait ce qu'on veut avec. C'est très très ouvert. Il y a plein de réglages. Ça devient même complexe des fois, mais en restant simple, on peut faire plein de choses. Il existe quelques tutoriels sur Internet, hein, sur OpenWRT. Il faut savoir qu'OpenWRT, que vous soyez sur un routeur Xiaomi, sur un routeur Asus ou sur d'autres routeurs, vous aurez à peu près toujours les mêmes fonctionnalités, sauf forcément celles qui dépendent du hardware. Donc voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour moi. Le routeur, je vous l'ai présenté. Il faudra sûrement un petit adaptateur parce que c'est une prise chinoise. Juste petit aparté, attention, il existe maintenant le Mi Router 3G V2. La V2 n'a pas de prise USB. Donc faites attention, j'ai vu sur le site d'OpenWRT qu'il y avait un firmware. Bon, après je sais pas comment on fait derrière parce que là sur le tuto on va utiliser une clé USB pour pouvoir injecter les fichiers. Donc voilà, juste le plus simple c'est de prendre celui-là, donc le Mi 3G.
Voilà, allez, on va passer à la configuration. Allez, donc on passe à la configuration du routeur maintenant. Donc bien sûr, votre routeur est allumé. Vous pouvez vous en apercevoir en allant dans vos paramètres Wi-Fi si vous avez le réseau Xiaomi avec l'identifiant de votre routeur derrière, c'est gagné. Donc, hop, on passe à la config. Donc, on lance l'application Mi Routeur. Bon, là, il faut tout autoriser, hein, sinon vous n'allez rien pouvoir faire. C'est le problème de Xiaomi. On va faire se connecter avec un compte existant. Si vous n'en avez pas, vous allez juste au-dessus. Donc là, moi, je me connecte avec mon compte. Donc là, il me trouve bien mon routeur. OK. On fait configuration. On configure un nouveau routeur. On continue. Et là, il nous dit que notre téléphone va se connecter au Wi-Fi du routeur. OK. Primary base station. Donc on avait connecté donc le câble Ethernet de notre box au port bleu du routeur et notre PC sur un des ports blancs. Ok, on fait suivant. On l'appelle comme on veut, on le laisse appeler comme ça. Hop, routeur, on va mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, donc là, il configure un nouveau routeur. Donc voilà, il a associé le routeur Xiaomi à mon compte. Ok, donc ça c'est bon. Maintenant, on va aller donc sur l'ordinateur et on va changer le firmware. Allez, donc là on est sur l'ordinateur. Vous voyez, je suis connecté sur le routeur Xiaomi en 192.168.31.1. Donc je vais aller ici 192.168.31.1. Donc là il me demande le mot de passe que j'ai rentré tout à l'heure, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Voilà, maintenant je suis connecté. Donc là j'ai bien mon routeur Xiaomi. Voilà, il dit voilà, vous pouvez utiliser l'application, etc., etc. C'est l'avant-dernier onglet, voilà, donc celui-là, et on va aller dans le i. Donc là, vous voyez, on est en firmware 2.28.44, donc on va le changer. Pour ça, il va falloir aller chercher le firmware développeur, donc qui est sur le réseau, sur le, pardon, qui est sur le site internet de Xiaomi. Là, vous allez sur miwifi.miwifidownload.com. Donc là, vous allez dans ROM. Vous allez télécharger, vous descendez. Là, vous avez trois jeux. Donc ici, c'est la version stable. Ici, c'est la version dev. Vous cliquez sur la version dev. Vous faites enregistrer le fichier. Et voilà. Ensuite, donc on retourne sur notre interface miwifi. Donc je vous rappelle, c'est bien l'onglet en haut, le petit i là. Et ici, vous allez là. Vous allez chercher le fichier. Donc c'est le 225.124 et vous faites installer. Donc là voilà, et il va vous mettre une autre petite case après ici. Alors surtout ne cochez pas, parce que si vous cochez ici, il restaure depuis zéro, il garde pas les paramètres, c'est-à-dire qu'il va falloir reconfigurer le routeur. Donc hop, on envoie. Donc là il dit en gros que ça peut prendre un peu de temps. Donc ce que je vous conseille, c'est de recopier cette adresse à côté et de la tester de temps en temps. Et tant que vous n'avez rien, c'est que ce n'est pas bon. Donc là, qui va passer par différentes étapes, il va repasser en orange, etc., etc. Et une fois qu'il est en bleu, en gros, c'est vous pouvez vous connecter. Donc là, je retape mon adresse. Donc j'arrive bien ici, je mets mon mot de passe Wi-Fi. Donc le mot de passe que j'ai rentré tout à l'heure. Une fois connecté, normalement, si je retourne donc ici et là, je devrais être en 2.25. Donc là, je suis bien en 2.25.124. Donc là, je suis en firmware dev. Donc maintenant que je suis en firmware dev, hop, maintenant que je suis en firmware dev, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je récupère ma clé SSH. Donc pour récupérer ma clé SSH, je vais aller dans un compte Mi Wi-Fi. Donc ça va être cette adresse-là,
vous la rendre directement http://miwifi-rom-ssh. N'oubliez pas le http, sinon ça ne marchera pas. Donc ce site, ça peut être très long. Je vous le dis, la première fois que j'ai fait ça, ça a marché du premier coup, et une ou deux fois où j'ai restauré mon firmware, enfin, mon routeur, ça a été très 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 long. Donc il faut réactualiser de temps en temps, et puis... Et voilà, donc on attend. Ok, donc là on voit, il n'a pas marché, donc c'est parce qu'il manque le HTTPS, même s'il était mis, c'est un peu particulier, il s'est connecté directement à mon compte. Normalement il doit vous demander votre user et après vous sortir ça, donc là on va, je vais passer, mais voilà, normalement vous devez l'avoir. Et là, voilà, donc ici vous avez votre mot de passe qu'il faut bien garder ici, SSH, donc prenez-le, parce qu'on a beau télécharger le fichier bin, on n'aura pas accès au mot de passe. Donc prenez bien votre mot de passe maintenant. Ça c'est le mot de passe SSH. Maintenant vous pouvez télécharger le fichier. Donc je crois que c'est celui de droite, je sais pas. Et là normalement il va me proposer le fichier à télécharger. Donc j'enregistre le fichier. C'est un petit fichier, donc ça va assez vite. Hein, voilà, 4 kilos. Voilà. Une fois qu'on a le fichier, maintenant on va tout mettre sur notre clé USB. Donc notre clé USB, elle est là. Elle est plus là, pardon. Donc vous branchez votre clé USB sur votre PC. Dedans, vous injectez donc le fichier. Je supprime tout ça. Hop. Dedans, vous injectez donc le fichier que vous venez de télécharger. Donc le MiSSH bin. Et les fichiers OpenWRT. Donc les fichiers OpenWRT, on va aller chercher sur le site OpenWRT. Vous allez sur openwrt.org, vous allez dans download. Donc là, soit vous prenez la version stable, soit vous prenez la version développement. Pour la version stable, vous allez vous cliquez sur la version stable, vous allez dans la 18.06.4, ensuite vous allez dans target, ensuite dans ramips, et la 7621, je crois, et c'est MIR3G. Donc il faudra le root CFS0, le kernel 1, et vous pourrez prendre le 6 upgrade, mais normalement vous avez pas besoin. Il a été mis à jour au 1er juillet, donc voilà, vous pouvez. Normalement là c'est la version du 1er juillet. Donc s'il y a une nouvelle version, il faudra prendre ce 6 upgrade, et je vous montrerai à la fin du tutoriel comment le mettre à jour. Donc moi je vais prendre la développement. Je prends la développement, c'est parce que j'aime bien être à jour. Après. Pour une utilisation lambda, la stable est largement suffisante. J'avais la stable avant. C'est juste pour... Voilà. Donc, on va dans Snapshot, Target, Ramips, ensuite 7621, et là, on va dans... Alors, la développeur, elle est en Xiaomi MIR3G. Voilà. Et non en MIR3G directement. Donc là, pareil, le kernel 1, le root FS, hop, le kernel 1, et puis je vais vous prendre le system upgrade juste pour que vous puissiez voir. Voilà, hop. Donc enfin, tout est téléchargé. On va le mettre donc dans notre clé USB. Donc ma clé est là. Je vais dans mon bureau. Je vais dans les tutos Xiaomi et je prends donc le kernel, le root CFS0 et le 6 upgrade. Hop, je mets ça dans ma clé USB. Donc là j'ai 4 fichiers dans ma clé USB. Je sors ma clé USB proprement. Voilà. Je débranche mon routeur. Je branche ma clé USB. Donc là, tout mon routeur, j'avais deux câbles Ethernet qui étaient branchés dessus. Je vais débrancher l'Internet dessus. Je vais juste garder le câble de mon PC. Donc sur un port blanc. Je mets la petite pinoche qui va bien. Avec, j'appuie dessus. En appuyant, je branche le routeur. Donc, je branche le routeur en appuyant et là maintenant j'attends, toujours en restant appuyé jusqu'à temps que le voyant orange clignote.
Mon voyant clignote, je lâche ma pinoche de reset. Et maintenant, j'attends qu'il redevienne bleu. Donc voilà, mon voyant est passé au bleu. On s'en aperçoit parce qu'en plus, mon PC s'est connecté donc au 192.168.31.1. Donc maintenant, on va pouvoir continuer le tuto. Donc, je vais ouvrir une console, un terminal, pardon. Après, si vous êtes sous Windows, vous pouvez télécharger donc petit PU2TY. Donc là, je pourrais pas parce que forcément, je suis connecté au routeur et il n'est pas connecté à Internet. Voilà, donc il faut pas le reconnecter à Internet pour l'instant, donc c'est normal. Donc maintenant ici, donc soit sur petit PUT, vous allez rentrer les informations. Sinon là on fait SSH, on met root @ et l'adresse IP 168.31.1. Donc là, si tout se passe bien, voilà. Donc là, même une erreur, mais c'est normal, c'est parce que je me suis déjà connecté à cette adresse, donc il a déjà enregistré une clé SSH. Donc il vous donne la petite phrase à mettre. Je vais copier cette phrase, je la supprime. Ça arrivera souvent dans mes tutos parce que je fais d'abord des essais avant de vous le faire, c'est normal. Donc maintenant que c'est fait, je me reconnecte. Donc là, il me dit une nouvelle clé SSH, yes. Donc je tape yes, je fais entrer. Et le mot de passe, c'est le mot de passe qu'on a vu tout à l'heure. Ça, je vous ai dit, il fallait le mettre de côté. Donc vous pouvez faire copier-coller, hop. Ou sinon, le rentrer à la main, c'est vous qui voyez. Hop. Donc voilà. Donc là, je suis connecté sur le routeur. Donc là, actuellement, on est sur le routeur Xiaomi. Maintenant, ce qu'on va faire, on va taper quelques commandes. Donc on va commencer par une commande qui va nous mettre dans les disques externes. Donc CD exdisk. Donc là, vous voyez, maintenant, je suis dans le... Maintenant, on va taper ls juste pour avoir les disques vus. Donc on voit qu'il y a SDA1 et donc maintenant on va taper CD SDA1. Si vous avez SDA2, vous tapez CD SDA2. Alors pourquoi il veut pas CD SDA1? Pour aller plus vite, si vous voulez, ouais, j'ai tapé SD. Si je fais tab, alors sur Linux, hein, enfin sur le serveur, ça marche. SD1, il vous trouve automatiquement s'il n'y a qu'une seule chose qui existe. S'il y a plusieurs mots qui existent, on verra tout à l'heure, il va vous mettre le début de phrase, après ce sera à vous de choisir. Donc voilà, donc là je suis sur sur ma clé USB en gros. Donc là, hop, je vais taper une ligne de commande qui va dire en fait décrire le firmware. Donc on va taper mtd write. Et là, on va chercher OpenWRT. Donc, vous voyez, là, j'ai fait tab, il m'a rentré automatiquement. Donc, scratch, OK. Et moi, ce qui m'intéresse, là, actuellement, c'est le kernel. Vous avez vu, donc, vu que c'est le même nom de fichier, mais il y en a un qui finit par kernel et l'autre qui finit par root. Et bah, là, il me demande le choix. Donc, là, je tape KE. Et voilà. Donc, il me retrouve kernel bin. Maintenant, je vais dire que ça s'appelle kernel bin. Point bin. Et je fais kernel 1, excusez-moi, hop, kernel 1, et je fais entrer. Donc là, il écrit, ok. Maintenant, on va faire la même chose, sauf qu'on va pas faire squash, enfin, donc on va pas faire avec squash, on va faire avec root. Donc, on met pareil, RO, et il va nous finir le mot, et on l'appelle root FS0. Root FS0, j'ai pas fait d'erreur. Alors faites bien attention à ce que vous écrivez, hein, parce qu'après, vous n'allez pas aller briquer le routeur. Maintenant, on va taper donc NVRAM 7 flag try. Alors, oh là, 7 flag, pardon, tirer du 8. Try, tirer du 8. Je vous mettrai les commandes, hein. 6, 1, tirer du 8, file head, égale 1. Donc je vérifie, NVRAM, voilà. NVRAM, 7,
Ensuite, flag-du-bas, try-du-bas 6-1-du-bas fail-11. Ok, et ensuite on fait la même, alors on va mettre nvram commit. Ok, maintenant on fait reboot. Donc là il va redémarrer le routeur. Ok, donc le routeur redémarre et votre compte. Là la connexion SSH va être perdue. Vous n'allez pas forcément le voir. Sur Linux on ne le voit pas forcément, par contre sur Windows, Putty va vous dire ding, vous mettre une petite alerte. Donc voilà, la lumière bleue est allumée. Donc maintenant vous êtes sous OpenWRT. Donc on va régler un problème, on va créer un sous-réseau. Là, moi chez moi, le réseau c'est 192.168.1, point quelque chose derrière. Donc, moi pour pas être embêté, je veux créer un point 10. Parce que la plupart des box c'est 1. La plupart des box c'est 192.168.1 ou alors 192.168.0. Point 10, c'est assez rare. Enfin, en tout cas, j'en connais pas dans les grands opérateurs. Donc, moi, je vais mettre point 10, comme ça, je suis tranquille. Donc, pour ça, il va falloir se reconnecter en SSH. Donc, là, j'ai toujours pas connecté mon routeur à Internet. Donc là, je vais renvoyer ma commande. Alors, il faut que je relance mon terminal, parce que forcément, j'ai été déconnecté. Hop. Donc là, je relance. Donc, 31. Alors, SSH route 31, forcément, il n'existe plus. Parce que maintenant, il n'est plus sous Xiaomi, il est sous OpenWRT. Donc, vous allez sur votre réseau, vous allez voir. Et il est sur 1.1 normalement. Voilà. 192.168.1. Voilà, c'est pour ça que je vous dis 108.1.1. Donc Free, il n'a pas été trop bête, ils ont mis leur centrale à 254, mais sinon, voilà, les autres peuvent mettre en 1. Bon, je fais n'importe quoi, pardon. Donc on tape SSH route @, voilà. Donc faites la première fois, donc là, c'est pas énormément la même erreur, parce que vu que je me suis déjà connecté la dernière fois, que j'ai pas vidé mes clés. Hop, 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 voilà. Donc là, il me demande, donc yes. Voilà, donc la première fois, il n'y a pas de mot de passe. Donc attention, vous pouvez en faire un vous-même en tapant password. Je le ferai après, moi, donc je veux pas le faire. Donc voilà, maintenant on va taper donc UCI set network.lan.ipadresse. IP, pardon, addr égale ouvrez le petit guillemet l'apostrophe 192.168.10.1. Voilà, donc là si vous mettez .20.1 vous le faites, hein, c'est vous qui. Donc je vérifie UCI set network.lan.ip address. Ok, on ferme la parenthèse et on fait entrer. Donc là maintenant il est passé. On fait UCI commit. Ok. Attendez quelques secondes. Et après, on fait reboot. Ok. Donc là, il a fermé la connexion. Et là, vous allez voir. Hop. Donc là, j'ai perdu la connexion. Il est en train de redémarrer. On attend le voyant bleu. Mon voyant est bleu, donc là vous voyez, je suis passé en 192.168.10.1. Ça, c'est ma passerelle. Donc si je vais, je vous donne l'info de ce point, 192.168.10.1, là il se passe, bon, il va être mis sur 106, mais sinon, là il se passe rien. D'accord, on peut attendre, vous allez voir, il se passe rien. Donc on ouvre une console, cette fois on se connecte donc en SSH 10.1, donc là il devrait même me remettre la même chose, voilà. Forcément. Hop, hop, copier-coller, j'ai permis, voilà, donc je me reconnecte, 10.1, donc là, il me redonne, ok, donc là, vous voyez, on est reconnecté. Maintenant, il va falloir donc brancher le câble de notre box, donc là, moi, je prends mon câble jaune que je mets sur la prise bleue. Donc, une fois que vous avez branché le câble de votre box, on va taper une commande, on va mettre à jour les paquets opkg update. Ok, là vous voyez ça download, donc c'est bon. Sinon il vous met fail, 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 fail.
Ok. Donc là voilà, maintenant après on va mettre, comme je vous ai dit, on n'a pas d'interface, c'est un peu nul, hein. On voit rien ici, c'est un peu bête. Donc on va mettre une interface graphique. Donc là on a mis à jour les paquets, maintenant on va faire opkg, install, lucie-du6 SSL. Ok, donc là il installe tous les paquets. Et après on n'aura plus qu'à rafraîchir notre adresse au-dessus, 192.66.10.1, et on aura notre interface graphique. Alors après on va juste en profiter pour vous montrer comment mettre à jour le routeur. Donc avec le fichier sysupgrade. Le fichier sysupgrade. Donc pour ça, il va falloir aller donc dans le système. Donc là maintenant on peut se connecter à notre interface. Donc là vous voyez on est en SSL, donc c'est sécurisé entre guillemets. On a le truc, on a un route, un mot de passe. Donc là actuellement il n'y a pas de mot de passe. Donc on va configurer un mot de passe. Alors hop. Donc route 0 login, on met un mot de passe, on le save. Quoi, moi il a dû me remplir mon mot de passe que j'avais mis normalement. Avant ça, je vais le remettre. Hop, et on le retape une deuxième fois. Et on sauvegarde. Voilà, mon password a bien été mis à jour. Donc là, vous allez dans statut. Donc là, oui, c'est en anglais, c'est pas cool. Mais on va le passer en français juste après. On va juste d'abord aller dans, pardon, système et backup flash firmware. De là, vous pouvez soit générer un backup, soit restaurer, soit flash a new image. Donc c'est là où on va choisir notre fichier mise à jour. Donc là, on sélectionne notre image sysupgrade. Ok, là. Donc il va vous dire si elle n'est pas bonne. Hein. Ça, c'est plutôt pas mal. En global, il vous le dit si elle n'est pas bonne, si elle n'est pas adaptée. Donc ça, c'est garder les réglages. Ok. Keep setting on return the current configuration. Voilà, donc ça on laisse, sinon en fait il va tout vous remettre à zéro, donc c'est un peu pénible. Surtout qu'il y a des choses qui ne sont pas sauvegardées dans les backups. Que j'ai gardé. Par contre, je vous conseille de faire un backup avant de faire une mise à jour pour en cas de souci, revenez au backup au moins vous n'avez pas tout perdu, quoi. Donc là, il redémarre. Je vois parce que je perds ma connexion. Allez, j'ai perdu la connexion. Et pareil, dès qu'on aura le petit voyant bleu, hop, ça sera nickel. Donc il redémarre assez vite, hein, en global. Voilà, donc je suis en petit voyant bleu, normalement, hop, il va se reconnecter. Voilà, 168, 10 points. Et là, vous allez voir, quand je vais remettre mon truc ici, je vous allez voir que j'ai plus d'interface. Donc là, j'ai plus d'interface. C'est bien pour ça que je vous ai dit de faire la mise à jour maintenant. Qu'à chaque fois que vous ferez la mise à jour, il faudra réinstaller les paquets Lucie. Donc, vous avez fait la mise à jour. On se reconnecte. Hop. Donc, le password maintenant, c'est celui que vous avez mis. D'accord. Une fois que vous êtes connecté, hop, on refait la même chose. OPKG update. Une fois qu'il a mis à jour les paquets, on refait la même manip. Alors des fois vous pouvez revenir à moi, non, des fois on peut, hein, sur certains Linux, install lucie lucie du 6 SSL, pardon. Hop.
là on installe, il ne régénérera pas une nouvelle clé. SSL, donc ça c'est bien. Ok, maintenant on va refaire un package update. Normalement il n'y a pas besoin, par contre celle-là. C'est vrai que je m'embête plus tard, je peux faire des copier-coller quand même. Je vais aller beaucoup plus vite, ça va me faire des erreurs. Et ici on va faire au package install Lucy i18n base fr. Voilà. Et ensuite, on va aussi mettre le paquet du firewall, en FR. Avec cette commande. Voilà, maintenant, si je mets à ça, hop, vous allez voir, c'est génial. Hop, je me connecte, et là, tout est en français. Ça, c'est quand même plutôt pas mal. Maintenant, on va configurer notre réseau Wi-Fi. Donc, pour ça, il va falloir aller dans réseau sans fil, et ici vous pouvez, donc moi je vais désinstaller les OpenWRT là, pour ce bouquet, vous pouvez les laisser ou pas, moi je désinstalle. Ici on va faire ajouter une connexion, donc en 811 BGN en radio 0. Ok, là on va faire type point d'accès, le nom je vais l'appeler. Voilà. Le réseau, donc pardon, j'ai rien oublié, mode machin, nanana. Le mode point d'accès c'est bon, ici on met ça, ensuite on coche réseau, on coche la case LAN, voilà c'est ça, on coche juste la case LAN, hop, et ensuite on va aller dans sécurité, on va mettre encryption maximum. Hop, je vais faire PSK. Et là, on va mettre notre clé Wi-Fi. Bon, voilà. Hop. Et ensuite, on enregistre. Voilà, maintenant on fait la même avec la deuxième radio. Donc en fait, vous avez celle en 2Go 4, et vous avez celle en 5Go. Donc là, on fait pareil, ajouter. Donc moi, je veux qu'elle ait le même nom, donc je lui donne le même nom. Hop, réseau LAN, hop, et ensuite, sécurité des réseaux. Et là, je mets la clé. Voilà, la clé Wi-Fi, et là, on connecte. Voilà. Donc là, maintenant, il faut sauvegarder et appliquer. Voilà, maintenant, vos réseaux Wi-Fi sont connectés. Donc là, on va voir parce que... Ben non, j'ai rien de connecté parce que j'ai pas mis le bon nom. Mais, voilà. Ok. Donc voilà, c'est tout pour le moment. On verra plus tard, je vous montre vite fait comment faire un backup. Donc on va dans réseau, système, sauvegarde, mise à jour, et là vous faites construire l'archive. Et là il va vous télécharger, vous mettre un peu de temps, et après si vous voulez renvoyer un backup, vous allez sur envoi de l'archive et vous envoyez. Donc n'oubliez pas, quand on fait une écriture, une mise à jour, c'est là. Par contre, n'oubliez pas de laisser cocher, de garder la configuration, sinon il va falloir tout refaire. Donc là, je vous montre vite fait à OpenWRT. Après, c'est juste pour le fun. Donc voilà, là, vous avez une explication globale de tout ce qui est connecté. Actuellement, il n'y a que mon PC qui est connecté en IPv4. Vous avez ceux qui sont connectés en IPv6. Vos deux réseaux Wi-Fi qui sont là. Et après, vous avez donc par feu, route, ok. Les systèmes, vous avez tout ce qui est software. Alors, software, c'est si vous voulez installer des logiciels.
Donc, par exemple, je sais pas, Adblock, ben voilà, c'est ici. Donc, je ferai peut-être des tutos dessus pour améliorer des. Voilà, vous avez plein de trucs, un hein, MySQL, vous pouvez installer du torrent, des trucs comme ça. Bon, bon, faut pas trop le surcharger, hein, c'est pas non plus. Les VPN, c'est pareil, c'est ici. Hein. Donc voilà, bon, c'est tout pour le moment. Donc, vous avez vu comment installer OpenWRT. Je vous avoue que ce tuto a été très laborieux. Pour moi, j'ai mis énormément de temps à le faire. N'hésitez pas à donner votre avis. Et puis, de toute façon, on se retrouve. Il aura sa propre playlist. Ce tuto est donc peut-être agrémenté avec des connexions 4G, etc., etc. Voilà, c'est tout pour moi. Je suis en train de mettre en place un petit WordPress histoire que on puisse échanger, que je puisse mettre à jour des paramètres sur la vidéo plutôt que de les mettre en commentaire YouTube. Donc, je vous donnerai le lien aussi. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je reste disponible. Allez, bonne journée à vous.